Alors c'est parti pour les trophées du monde des artisans. Le premier, kebab de mouton, ça consiste à brûler, j'ai bien dit brûler 10 moutons. J'essaye de faire attention à pas leur foncer dedans. Vous voyez, j'en ai 5 ici. Voilà, le cinquième. Et maintenant, je vais monter pour rajouter 5 là-haut. Alors, j'ai déjà eu ce trophée quand je farmais les vies. Donc, vous n'allez pas le voir se débloquer. Et de toute façon, mes captures n'affichent pas les trophées. Mais je vous montre quand même la marche à suivre. Alors, pour moi, le plus simple, hein, là, c'est les 5 qui étaient en bas. Et puis ici... vous en avez d'autres. Voilà. Bon, vous n'êtes pas trop mauvais en maths, hein. 5 plus 5, ça fait bien 10. Donc là, normalement, vous avez le trophée. Et le petit 11ème là qui se cache au cas où. Voilà. Maintenant, on va se diriger vers la vallée obscure. Alors, très pratique de pouvoir faire ça. Le trophée qu'on va aller chercher à la vallée obscure, c'est allumer le feu. Je l'ai eu pendant les enregistrements. Vous m'avez vu faire, j'ai allumé les torches par habitude. Mais on va quand même le refaire. Alors ça doit être là-bas, voilà, c'est derrière eux. Je les ignorais complètement. J'en allume un, j'en allume l'autre et c'est tout, c'est terminé. Maintenant, ça va être moins rigolo, vol de jour. Alors celui-là, j'avais vu qu'il fallait faire et je l'ai essayé un petit peu. J'ai compris que ça n'avait rien à voir avec les arches qui servent d'objectif. J'ai regardé la traduction et en gros c'est un peu plus clair. Voilà. Je crois que c'est l'un des ponts qui est là. Peut-être celui-là. Faut juste faire un tour comme ça. Alors j'ai appuyé trop longtemps, il m'a fait le tour complet. Non, faut faire un looping. Ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est en appuyant sur L1. Ah non, alors peut-être R1. On va y arriver. Là c'est R1. Ouais, R1. R1 il fait un demi-tour. Ouais, c'est bon, j'ai le trophée. Je viens de le débloquer, acrobat. Voilà, R1 il fait un looping complet. Hein, faut partir de haut, vous avez vu, hein, je me prends le coup de tête à chaque fois. Enfin non, faut partir de bas justement, je pars d'assez bas. Ah non, je me prends le coup de tête ici. Bon, c'est de la précision, mais ça a marché sans trop de problèmes, j'ai pas eu de mal. Le trophée s'est débloqué malgré mon gros coup de tête. Oh, c'est énervant. C'est un peu frustrant. Voilà, donc ça se débloque sur cette arche-là en appuyant sur R1. Au moment de la passer. Et enfin, dernier trophée pour le monde des artisans, Toasty. Et le trophée s'appelle Toasté. Il faut le tuer sans se faire toucher. C'est très très facile. Donc finalement, là, on va faire le niveau complet. D'ailleurs, les chiens, j'avais eu du mal la première fois. En fait, voilà, il faut les broyer deux fois de suite très rapidement et ça se passe très bien. Bon, il y a des endroits évidemment où c'est un peu plus compliqué. Là, ici, il faut bien contourner pour pas être embêté par l'autre. Voilà, bon, je peux les ignorer, hein. Je vous montre juste que les chiens sont pas si terribles que ça. Alors. Bon, c'est vraiment très mauvais, hein, aucun problème. Je crois que là je peux avoir les deux. Voilà. Non, on peut pas. Alors, je me méfie des chiens parce que c'est... moi je verrais bien ça, il serait capable de me faire rater. Voilà. Et c'est bon, je l'ai eu sans me faire toucher. Mission accomplie. Donc maintenant, on va pouvoir se diriger vers les trophées du monde des Pacifiques. Et le premier, ce sera cervelle d'oiseau dans le canyon aride. On va faire ça.